Et bonjour tout le monde, c'est Rix Project et on se retrouve pour la suite de Bloomtown, Different Story. Bon, j'ai fait une quête secondaire, une seule, enfin secondaire entre guillemets. J'ai juste été travailler à l'épicerie. Et j'ai fait... j'ai rien fait en fait en dehors de ça. Alors, parler, passer du temps ensemble, ok. Il y a un truc que je veux faire. Bon, mis à part qu'on est... Alors, on est lundi, on est le matin. Un endroit où pêcher, ok. Ça, on s'en fiche. On va aller voir les commères, les vieilles dames. C'est le cache des trucs. Ouvert de 11 à 5. Ok. Ça, c'est le psy. Je voulais avoir l'info. Voilà. Ah, bonjour, Emily. Vous avez besoin d'aide? Eh ben, en fait, oui. C'est fort gentil à toi d'être passé. Je parie que tu te demandes ce qui peut bien se passer dans le sous-sol. On a enfermé notre mari. Où sont passées vos manières? Nous devons d'abord offrir à notre invité une tasse de thé. Une petite tasse de thé, Mini? Le choix de thé de Jean en dit souvent long à leur sujet. C'est pas trop fût. Parfait, si tu permets, je vais choisir pour toi. Gain niveau de charme, cool. Tu as fait connaissance avec les démons, n'est-ce pas? Il se trouve que nous avons un locataire indésirable enfermé ici. Il est très bruyant. J'aurais besoin d'aide pour le mettre à la porte. Il pourrait finir par casser tous mes bocaux. Et mes cornichons. Eh oui, nous pourrions nous retrouver à court de cornichons. J'ai tapé au pif, mais non! Merde! Mais merde! C'est inacceptable. Absolument inacceptable, il doit quitter notre cellier. D'accord, je peux vous aider. Coller des roustes aux démons, c'est mon domaine. Une minute, ça peut pas être aussi sympa un peu de ce démon. Quel sera le meilleur moyen pour le vaincre? Mais je crois que ce démon est vulnérable à la foudre. Quant à la raison de son apparition ici, c'est la foudre des extravagances du style d'écriture victorien, associée à des expérimentations culinaires. N'empêche que la recette précise clairement une gousse d'ail démon. Non, c'était d'ail démon. Eh mais le livre de recettes doit être quelque part en bas. Pourrais-tu vérifier ce qu'il raconte afin de nous départager? Non mais vous êtes sérieux? Et donc je vais aller me faire ça. Bon, on va essayer hein. Bouh! Où y es-tu? M'entends-tu? Nous ne te ferons aucun mal. Mais il n'y a personne ici. Non, il n'est clairement pas là. Même le doré aigre des cornichons renversés ne saurait me masquer la présence des démons. Inspectons tout cela d'un peu plus près. Alors, c'est moi, il y a quelqu'un à l'intérieur. Pardonnez-moi, mademoiselle Emily, mais d'ici, je ne peux pas voir. Hey, y a quelqu'un? Non, y a personne. Y a personne. J'ai un cadeau pour un gentil démon. On va tenter le charme. Un cadeau? Deux secondes, je sors de là. Et voilà, attrapé. Hein? Bon, enfin que vous n'êtes pas là pour rigoler. Mais on peut discuter. Je n'aide pas la personne, je voudrais juste partir de ce cellier. Qu'est-ce que tu suggères? Vous voyez ce chemin de sel? Éparpillez-le un peu et je filerai d'ici. En retour, je vous donnerai, je ne sais pas, imaginez ce que vous souhaitez le plus en ce moment. C'est bon? Voilà ce que je vous donnerai une fois que je serai sorti. Ça marche? Ça paraît trop beau. Défends-toi. Je me méfie. Je me méfie parce qu'un démon qui est sympa, c'est pas le. Non, il y a des couilles. Combo! On va tenter de le capturer. Et voilà.
Et ça donne 0 XP de capture. Ok. Alors, le bouquin. Il s'agit clairement d'un livre de recettes. Je décèle les effluves de bouillon, de légumes et de détergent. Hein? Ça doit décaper comme potion. Ouvrir au niveau du marque-page. Afin d'éviter toute incursion démoniaque, il dit de l'ail démon. Et bien voilà. La deuxième pire est fort déçue. Je trouve Mademoiselle Crow tellement stricte. Ça m'embête un peu qu'elle se dispute pour une broutille pareille. Je pourrais manger cette page et vous n'auriez alors plus qu'à leur raconter ce qui vous convient de mieux. Ah, parle surtout pas, j'essaie de cette technique pour résoudre les problèmes. À l'avenir, je tiens à ce qu'il assume ses responsabilités lorsqu'il fait passer de voir. Ça risque pas, je digère très mal les mathématiques. Ok. Oh! Verrouillé. Aspirateur. Une citrouille. Le bocal cassé. Ah, ok. En fait, on pouvait faire fouiller comme ça. Oh, c'est cool. Ah, bonjour, Emily. À propos de votre quête, le démon ne dérangera plus. Merci, ma chérie. Que ferions-nous sans toi? Tu as un grand avenir devant toi, oh exorciste de démon. Merci. Tiens, tu es une jeune fille suffisamment courageuse pour ce genre de lecture. Et surtout suffisamment intelligente pour en tirer des enseignements. Et le livre de recettes tu as trouvé, je veux prouver que j'ai raison. Il était écrit Aïe démon. Ah, ça veut dire que c'est vous qui allez nettoyer le cellier. Mais, il était écrit. Non, non, ta gueule. Je m'en bats les couilles. Voilà. Rencontre du troisième âge. Rencontre du troisième type. Ok, ça c'est fait. Donc maintenant, c'était quoi la quête Donc, sauver Sarah, il faut réunir la bande. Et pour ça, il faut que je téléphone à Ramona, il me semble. Et Chester, lui, va venir tout seul. Faut peut-être que j'arrose les plantes. Je vais aller voir. Ah, ça a presque pris 10 minutes quand même pour faire ce truc là. Ah, récolté. Gain de niveau sur ça, ok. Ah, ça monte vite du coup les aptitudes avec ça. Nice. Je peux pas récolter ça, non. Alors. Infiltrer l'envers monde. Ah. Esther, hey, si j'arrive. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi on nous a envoyé dans son coin? Maman, beaucoup de travail. Elle travaillait déjà avant et ça se passait pas comme ça. Ouais, mais papa était encore là. Passer du temps ensemble, j'ai l'impression que c'est pas foufou. Alors, en fait, j'ai un doute. Infiltrer l'envers monde, entrer dans l'envers monde. Est-ce que... Ouais, tout le monde vient en même temps, d'accord. Et on revient dans le donjon. Hey! Il m'a collé une gifle. Oh! Ils sont nouveaux ceux-là. On va tous les brûler. Frappé.
Raté. N'empêche, ce chien il me fait marrer quoi. Ok, il y a un gros machin en kikinant derrière qui booste. C'est qui pique. Bien. Un Medipack. Cool, mais c'est pas ça que je veux. Alors, c'est dégueulasse, hein, par contre, ce qu'il y a ici. Ah, il y a une porte là. Sauvegarde. Interagir. Tous les faits doivent être brûlés, alors il apparaîtra. Inquiétant. Ok. Il faut allumer tous les feux qu'il y a sur les bras des ronds. C'est que des. Ah. On a retrouvé Bi. Des cavernes, sympa. Comment on va trouver la clé? C'est un démon qui doit l'avoir. Et comment on va le trouver? Eh, je... Oh, mais quelle poussière! Je crains que mon sens de l'odorat ne nous soit guère utile par ici. Ah, génial. Voilà, pas plus dur que ça. Ah, trouvé. J'adore quand il vient lui coller une gifle. Oh! Classe. Augmenter les résistances. Diminuer sa résistance. Combo. D'accord, c'est un ventilateur, le truc. Brûlure dissipée. Ok. Il a résisté. Et résiste. Okay. Et il attaque deux fois. Pour site. Il résiste bien, le cochon. Il se régène. Ouais, ça pique.
En fait, le problème, c'est qu'il est, il a beaucoup de résist, il se régène trop. Et il pique. Il pique sévère. Bouffe 20 SP, mais ça soigne tout le monde, quoi. C'est quand même très fort. Boule de feu, grêle, murmure ciblé. On va prendre la glace. Et ben, et ça, c'était du costaud. Je crois pouvoir affirmer que notre équipe a su ici faire la preuve de son aptitude. Ah, tu m'étonnes. C'est tellement sombre, c'est de l'eau. J'en suis pas certain, il y a des odeurs très étranges par ici. Il y a comme une odeur d'embrun dans l'air. Tu vas trouver ça bizarre, mais si on essaie d'attraper ce qui se balade là-dedans. Non, c'est hors de question. Allez, ça c'est rock'n'roll. J'hésite. Est-ce que... Tout est bon dans le poisson. Gna. Faut dans le hall d'exposition, c'est-à-dire au-dessus, ok. Pas me reposer, donc on va remonter. C'est vrai, le démon englouti par contre. Donc j'ai un démon en plus et je trouve qu'il irait bien pour Hugo. C'est clairement le vent, l'attaque, etc. Ouais, on peut le mettre pour Hugo. Hein. Allez, on va remonter. J'avais été voir ici ce qu'il y avait. Ah non. Un scalpel. Ok. J'espère qu'on peut refaire les donjons. Ah, un bouquin. Il y a une étiquette à brûler. C'est horrible. Attendez. Est-ce que je peux la foutre à brûler du coup dans... Chez le petit pépère. Je crois qu'il était par là. Hein. Ah. On n'a pas une capacité de fuite. Et à part. Oh
Oh, avec saignement. Bourrin là. Est-ce que j'ai été dans ce trou là d'ailleurs? J'ai été chez un œil par là? Non. Surprise, motherfucker. D'accord, ok, il y avait un autre chemin. C'est sympa! Le truc est bien pensé. Est-ce que j'ai la porte verrouillée ou on doit trouver un autre moyen de passer? Ok. Donc l'autre il est dans le hall. Alors le trouver dans le hall. Allez, oui, c'est. Une laisse. Juste que je check mon temps. Ah! Moi bon, ça va, j'ai le temps. Verrouillé de l'autre côté, on doit trouver un moyen de passer. Interagir. Le passage semble bloqué. On pourrait passer en déplaçant d'abord cette poutre. C'est bon! Chester, t'es un garçon, tu peux pas nous aider? Phew! Je vais faire par faire une hernie. Et si ça arrive, tu peux être sûr que maman va te décoller la tête. Des fois, t'as vraiment une mentalité bien pourrie, tu sais. Hé, hey, fais de bon but pour éviter que tu te fasses engueuler. Oh, alors pareil. Ego, en fait, t'es très costaud, pas vrai? File-nous un coup de main. Mon esprit est nettement plus efficace que mon corps. Ah bon, t'as même pas un peu de muscle? Je pourrais essayer de faire appel à mes exceptionnels talents de diplomate, mais je crois de ne pas totalement maîtriser le dialecte des poutres de charpente. Même avec les pins, d'ailleurs, la barrière de la langue dépasse mes capacités. Il faudrait attendre de toi, message reçu. Faut que je fasse tout moi-même. De toute ma vie, j'ai jamais porté quoi que ce soit de plus lourd que des bouquins. J'arriverai jamais à bouger ça. Une société qui sépare les intellectuels des guerriers aura des penseurs veulent et des guerriers imbéciles. Ok. De quoi? Vous devriez vous préoccuper un peu plus de votre forme physique. Attends, tu te fiches à moi. Faire un peu d'exercice sera-t-il suffisant? On peut pas passer plusieurs mois au gymnase. Les progrès sont très rapides au début, c'est l'effet de faible base. Des progrès rapides, ça m'intéresse. Bon, on va essayer. Vous êtes sérieux? Il faut que j'aille au gymnase? Non, mais c'est une blague. Mais votre fermé. J'ai une porte là-bas. On va essayer de crocheter. Composant mécanique. Les poulets frits. Mais en fait, vous êtes sérieux? Je dois vraiment repartir dans l'autre monde juste pour. Ah ouais, c'est une joke. J'adore parce que c'est par le téléphone qu'on doit passer. Bon, donc faut que j'aille. Au gymnase. Ouvert de 8 à 2. Ah oui, mais c'est vrai, on est le soir. Eh ben, on va aller se coucher. Oh la vache.
Paye ton truc en merdant. Là. Ok, j'ai gagné en charme. Alors. Et il pleut. La première fois que tu viens, pas vrai? Non, c'est ma première fois. Super que tu sois enfin décidé à pallier à cette oubli. Et si tu vas pouvoir acquérir une puissance dont ton père n'aurait jamais pu rêver, contre un peu de ton temps et de ton argent. Ça coûtera 10 cents. Ok. Ne me dites pas que c'est un mini-jeu. La fuck. Je suis en train de gazer là, je suis en train de me faire what le heck. Oh. Ouais mais tu fais l'exercice pour être souple là, pas pour être forte. Du coup. Des haltères à la maison? Quoi? Où ça? Où ça les haltères? Des haltères à la maison. Chester, gagna. Des haltères. Pas où ? Des haltères. Dehors, peut-être ? Salut petit écureuil. Je sais pas où elle a vu les haltères. Ah si. Pardon. Qu'elle a vu des haltères. C'est forcément ici qu'il y a quelque chose. L'épitome des anciens. Ah, c'est pour passer le temps, ça, ok. C'est bon à savoir. Des haltères. Où est-ce que je peux en créer? Ce serait le pompon, ça. Je crois savoir où ils sont, je suis con. On va en bricoler deux, comme ça c'est fait. Gagne niveau d'aptitude, c'est bien. J'ai trouvé les haltères. J'avais oublié. C'est vrai que je cherche des trucs plus gros, mais non, c'est ça. Faire d'exercice, oui. Personne regarde. On s'y chauffe, allez. Et l'autre, il roupille, quoi. Si ça suffit, c'est tant mieux.
Ouais, j'ai l'impression de se sentir une nouvelle force dans les mains. Ouhou. Parfait, on peut y aller. Hello, l'envers-monde. Je m'en vais de la défoncer, cette poutre, moi. Wesh. Je peux le faire. Vous êtes donné à fond sur le chauffement et les haltères. Votre corps est plus fort que jamais. Je peux y arriver. Ok. Faut pas chercher ma grande sœur. Et voilà, libre, allons-y, les amis. Oh mon dieu, qu'ai-je donc fait pour mériter ça? Petit, tu vas le fermer, oui ou merde? Tu l'as déjà mangé aujourd'hui. La ferme. Mais tu vas fermer ta gueule, sale pute. Oh. Ok. Alors le jeu, là, il nous fait un grand écart de la mort, parce que wow. C'est violent. Gifle en premier. Oh, sympa la tête de dragon là. J'aimerais bien en capturer un. C'est augmenté, c'est un peu chiant. Ok, c'est un qui tape plusieurs fois ça. Enfin, ces deux saloperies de tête d'ange derrière, en fait, ce serait tellement plus facile. Étourdi. Oh. Oh, ils régènent tellement de points, ces salopards. Bazooka. Il est sérieux le truc, la bazooka. Celui-là. Ok. Aïe. Bon, on va faire ce combat-là, puis on s'arrêtera là-dessus, je pense. Oh la vache, mais non, mais ils sont trop classe. Ils sont trop classe, les bestiaux, sérieux. Avec la musique qui est bien funky, bien cool. Je me demande quand même s'il y a possibilité d'augmenter les chances
de tenter les captures. Ou si c'est un peu aléatoire. Quand même là. Allez, il y a le KO. On tape sur l'homme poisson. S'arrêter là-dessus. Ah, les bruits du chien qui a les pattes sur le sol, ça me fume. On va s'arrêter là-dessus, on ira chercher le second la prochaine fois et on fera peut-être du coup alors le boss de cette zone. Là, je vais en profiter en off-record pour faire de la prex et essayer de capturer quelques démons, je pense. Ce sera plus facile. Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.